Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos sur l'hypnose et le développement personnel. Je suis Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et formatrice en hypnose et en PNL et autrice d'une dizaine d'ouvrages Dis donc, tu te la pètes pas un peu là? Formatrice, j'écris des bouquins. Quoi? Thérapeute, prof de machin, autrice de trucs. Autrice, non mais je te jure, on t'a pas demandé ton profil ADN non plus. C'est une vidéo sur l'hypnose, il faut bien que je me présente. Mais là, c'est trop long! Mais c'est parce que tu m'interromps à chaque phrase. Bah moi, je fais ça pour t'aider! Parce que t'as l'impression de m'aider là. Bah oui, hein, éviter de te faire ton CV depuis le CM2, de passer la moitié de la vidéo à te présenter, et puis t'as toujours pas présenté de sujet. Il faut bien que je montre aux gens que je sais de quoi je parle, que je ne me suis pas réveillée comme ça un matin en me disant « Ah bah tiens, je vais parler d'hypnose, c'est sympa comme sujet. » Non, c'est difficile pour les gens de savoir qui est légitime ou pas dans ce domaine. Et toi, t'es légitime parce que t'as écrit 10 bouquins. Bah un petit peu, puis j'ai pas fait que ça, je suis formatrice, j'ai créé un centre de formation, Oui, mais merci, tu l'as déjà dit 15 fois, on est au courant. Bon, écoute Mathieu, l'idée de ces vidéos, c'était que tu fasses le candide pour poser de temps en temps des questions afin que le public s'identifie. Ben ça va, je fais le candide. T'es pas contente? Bah, je serais contente si ça apportait un plus. Et pas là. Bah non, tu parles tout le temps, j'ai même pas eu le temps de dire c'est quoi le sujet du jour. Oh, bah ça va, fais ce que tu veux. Excuse-moi de pas être assez crétin pour faire le candide. T'as qu'à demander à ton cousin. Oh bah alors lui, il a une bonne tête de candide, hein. Bah voilà, tu sais, je l'ai vexé. Bon, alors c'était quoi le sujet de la vidéo du jour? Les reproches dans le couple. Ah bah oui, toi t'as pas besoin d'avoir écrit des bouquins, hein. Ça, on sait que t'es une experte, hein. Bon, je coupe, tu m'énerves. À cause de toi, j'ai même pas eu le temps de dire que pour qu'un reproche soit entendu, il faut qu'il soit accompagné d'au moins 5 compliments. Bah vas-y, hein, envoie les compliments, on attend, hein.